52 piges. Et j'arrive toujours à bip, hein, tu vois ce que je veux dire? Non. Bah j'arrive toujours à bon, quoi. Remember it. Salut tout le monde, petit aparté dans cette vidéo pour vous parler de notre nouveau sponsor, à savoir les Sleep Kangourous. Les Sleep Kangourous, non, je déconne. Vous étiez nombreux il y a pas mal de temps à me demander pourquoi est-ce que je me trimballais avec ça de temps en temps sur le live ou ce genre de truc là. Au mois de décembre, Oli m'a contacté du coup pour tester leurs produits. Vous le savez, j'en avais déjà parlé par le passé, je suis pas un grand fan normalement des energy drinks, c'est juste personnel pour le coup. Mais depuis janvier, Oli a décidé de faire une gamme de produits qui est une gamme iced tea, donc thé glacé. Et vous le savez aussi pour les personnes qui me suivent majoritairement sur Twitch, parce que sur YouTube on a au moins la décence de couper ce passage là. Quand je bois, la plupart du temps, je buvais de l'eau aromatisée et je buvais de l'eau dans des bouteilles en plastique. Donc c'était pas très rentable et c'était surtout pas vraiment très écologique non plus. Oli est venu me voir quand ils ont vu ça et nous ont dit hey, tu veux pas faire un partenariat maintenant qu'on fait de l'iced tea, pourquoi pas faire quelque chose. Et donc on est en partenariat avec eux depuis le début du mois de janvier, donc pour les trois prochains mois. Vous pouvez utiliser l'un des deux codes qui va apparaître juste ici, à savoir soit 64 soit 645 en fonction du fait de vouloir soit 5 euros directement sur votre commande, soit 10% sur l'intégralité de la commande. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager ce genre de partenariat parce que, en règle générale, vous l'avez déjà remarqué par le passé, c'est pas moi qui parle de ce genre de partenariat. On a toujours une petite marionnette qui en parle. Mais là, pour le coup, le produit, je l'aime bien. Je l'utilise personnellement et je pense que ça va rester pendant encore un sacré moment. Dans tous les cas, comme d'habitude, ne vous laissez pas influencer par les influenceurs. Allez voir directement, goûtez par vous-même. Pourquoi pas essayer le pack découverte. Vous avez le code, vous savez où aller pour vous faire votre propre opinion. Merci en tout cas à Oli de sponsoriser cette vidéo et comme je le disais, eh bien pas mal de streams pendant l'intégralité des deux prochains mois qui vont arriver sur Twitch. Parce que pour vous, peut-être que c'est pas grand chose, mais pour nous, eh bien ça nous permet en 2023 de continuer à faire le contenu qu'on est en train de faire sur YouTube et sur Twitch et ça permet tout simplement eh bien de participer à l'amélioration des contenus que je peux proposer sur Twitch. Voilà, donc merci à la Holy Squad et puis merci à vous. Bonne vidéo. Allez, en avant. Du coup, prénom, Pacôme du coup. Yes. Âge. Et 52 au mois de juillet. 52 ans. 52 piges. Et j'arrive toujours à bip, hein, tu vois ce que je veux dire? Non. Bah j'arrive toujours à bon, quoi. Mais en quoi ça a rapport avec Rainbow Six là? Bah tu me demandes 52. J'ai dit je suis toujours en forme, ça va, je suis pas fané. Ah ouais, j'avoue. Ville. BZH. À Fouesnant. Fouesnant, c'est où ça? Fouesnant, Fouesnant les Glénans. Ah tu me dis pas que tu connais pas Fouesnant, quoi, Breton. Fouesnant les Glénans. Fouesnant les Glénans. Fouesnant les Glénans, mais c'est quoi ce nom de bled de merde? Fouesnant les Glénans. De merde, c'est la plus belle ville de Bretagne. Bien connu, bien connu. Fouesnant les Glénans. La grosse lane de Fouesnant les Glénans. Bon, sourire. Une 502 light speed pour essayer d'être plus speed. Ok. Clavier, j'ai un Razer, c'est un Ornata Chroma, en semi-mécanique. L'écran, je sais avant que tu me dises, il est trop grand, mais bon, moi je suis vieux, j'ai besoin, quand je me pose, regarder des petits films, j'ai un Samsung 32 pouces incurvé. Il est trop 144. Grand. Ouais, il est trop grand, ouais. Il est beaucoup trop grand. Pour jouer, ouais, on va dire, pour game, il est trop grand. Ouais. Bah t'es venu là pour quoi? Bah pour jouer, passer un bon moment. J'espère. Donc qu'est-ce que c'est que ton écran 32 pouces de p*** là? Bah écoute, ouais, c'est en prévision, je vais changer mon setup, d'ailleurs qu'il est déjà pas mal parce que je suis en double écran, mais c'est en prévision parce que je veux changer de PC et tout le bordel quoi. En prévision pour quand? Pour cet été je pense. Ok, ouais, quand il y aura la fibre. Ah vache, on est perdu. Ok, oh, tapis de souris, t'as quoi? J'ai un grand tapis de souris Omen qui fait tout le clavier et la souris quoi. Ouais, tapis de il clavier quoi. Tout. Casque, j'ai un Astro A50. C'est bien ça, l'Astro A50 sur R6? Bah écoute, j'ai des doutes. Bah normalement, il est bien. Eh bah, il n'y a aucun mec qui a le A50. Et tout le monde a le A40. Donc renseigne-toi. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Visiblement, Astro, ok. Fais-moi rêver, tes DPI sont à combien? 400. Ok, et ton polling rate, du coup? 1000. Actuellement, je suis plate 5. Un ancien gold, du coup. C'est ça. Change la sensibilité avec les éléments que j'ai envoyés à l'écran, là. Bon, ça va pas changer grand-chose, à part on les zoome, hein, voilà, où ça va te donner une impression, ça va être un peu plus rapide. Donc au final, c'est pas si déconnant que ça, si t'avais l'habitude de jouer au poignet, quoi. Les FPS en moyen, t'as à quoi? 230. T'as quoi comme carte graphique? RTX 2060. C'est trop.
va te mettre dans un coin. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est quoi ton objectif sur le jeu ? De concurrencer à toute cette jeunesse, à me faire plaisir déjà avant tout, m'éclater avec les potes, de sortir de cette zone de confort du gold, plate émeraude. Émeraude, on va dire. Ok, pourquoi t'es venu me voir ? Sérieusement, pas de second degré. Pas de second degré ? Bah écoute, déjà d'une pour passer du bon temps. Mais c'est pas le but de passer du bon temps avec moi, tu le sais bien, si, tu vas pas si, passer si. Un bon temps si c'est de la p***. Bah si c'est de la c'est de la c'est pas grave. Mais tu vas pas passer un bon moment. Moi c'est du travail, moi. C'est, ouais, pas c'est pas fini encore, c'est pas fini. Ouais mais là j'ai déjà assez vu hein. Ah bon ? Mais ouais. Je te dis en 3 minutes quel est ton problème ? C'est quoi ? Vas-y dis. T'es pas consciencieux, t'as pas réellement envie. T'es la définition d'un joueur casu. Tu vas pas percer, c'est pas possible. Ah Mo, tu vas pas passer un bon moment. Attends, tu me connais quand même, non? Mais écoute, ouais, mais je te laisse parler. Il faut savoir dissocier l'aspect jeu de certaines personnes qui du coup ont outrepassé le simple cadre du jeu. Le jeu n'est plus qu'un prétexte au final. Moi, j'aime pas la phrase des personnes qui vont, à chaque fois qu'on va leur dire quelque chose, dire « c'est un jeu ». Non, c'est pas un jeu. Non, c'est pas un jeu. Et le football n'est pas qu'un sport au final. C'est pas qu'un loisir. Ça peut être bien plus que ça. Pour certains, c'est une vie. Moi, Rainbow Six, ça a changé ma vie. C'est plus un jeu, c'est ma profession. Pour ma les profession, joueurs professionnels. Mais je suis d'accord, mais moi c'est pas ma vie. Enfin, c'est vrai que c'est une drogue. C'est vrai que j'y passe. Tout le monde y passe énormément de temps. Le truc, c'est que si t'as vraiment envie de t'améliorer, y a pas besoin de passer une heure. Il faut que tu t'appliques plus, c'est tout. Fais-moi voir comment tu lèches des arêtes. Ok, quel était le problème sur ces premiers léchages d'arêtes là ? Ouais, peut-être un décalage, ouais. On va se mettre sur un mur et tu vas comprendre. Elle est où le niveau de la tête déjà ? Elle est là. Là, c'est la tête, là. Ouais, c'est la tête, là, non ? Non, c'est pas la tête, là. Là, c'est la tête d'un mec qui est à un mètre devant toi. Vas-y, laisse-le descendre si tu veux. Tu vas voir où elle est la tête, là. Rien que ça, ça c'est les bases de R6. Si tu commences à prendre des mauvais plis là-dessus, mais je comprends pourquoi est-ce que tu fais des mauvais décalages. Parce que ouais, j'ai le crosshair qui est. Parce que ton crosshair placement il est mauvais déjà de base au final. Parfait, exactement. Ça, c'est un niveau de tête. Quand est-ce que t'as commencé à jouer du coup ? 3 ans. Est-ce que tu connais toutes les maps par cœur ? Par cœur, non. J'ai des tares encore sur certains endroits. Ouais. Je vais te demander un truc et on va voir si tu connais les maps. Vas-y. Tu connais Consulat ? Ouais. Ça va, elle est pas trop compliquée comme map. Non, Oregon, ça serait mieux. Tu connais Consulat quand même ? Mais oui, je connais Consulat, oui. T'as bien combien sûr. De temps de jeu ? 1457 heures. Donc sur Consulat, tu es à la fenêtre PDG, ça va ou pas ? Ça te parle ? Oula, attends, fenêtre PDG. Oh non, attends, je peux plus rien faire là. C'est laquelle la fenêtre PDG déjà ? Tu te fous de ma gueule ? C'est la grande fenêtre ? Non mais c'est un miracle que tu sois gold, hein. Tu trouves ? Ouais ! Il y a un bureau en haut, le bureau du PDG. Il y a deux fenêtres. Tu les vois ? Ouais, je les vois, ouais. Eh ben, c'est les fenêtres du PDG. Les fenêtres du PDG, d'accord. Donc, tu casses la fenêtre du PDG, tu rentres dans le PDG, ok ? T'as juste appuyé sur l'animation de rappel. Juste en face de toi, il y a quoi ? Il y a un meuble, là. C'est quoi ? Juste pour savoir. Un meuble ? Un meuble ! Wow. Juste en face de toi ! Peut-être, tu l'as dit, il y a un meuble. Bah oui, je l'ai dit, mais bon. Il y a un meuble, il y a le du PDG, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est, on est dans le bureau du PDG, il y a un... Il y a un meuble, ouais, peut-être. Meuble, ouais, un bureau, quoi. Parle-moi, qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah là, t'as essayé de me travers... Non, c'est à pas travers, vrai. La fenêtre, t'as tiré dans la fenêtre qui donne sur Esca... Escagri, enfin, moi je l'appelle Escagri. Non, bah, c'est Escavisa. Personne ne l'appelle Escagri. Ouais. Ok, d'accord. Qui est-ce qui t'a tiré dessus ? Quelle est l'arme qui t'a tiré dessus ? J'ai pas bien entendu parce que je tire en même temps. Et t'as pas envie de droner ? T'as envie de me faire échec là ? Faut que tu gagnes ton duel. Bien joué. Donc tu veux que je te parle, que je te dise quoi ? Les actions que j'effectue ou... Tu peux essayer de me donner de certaines logiques, ce à quoi tu penses, où est-ce que je peux être, etc. Tu vois ? Là, je viens de te voir, je sais que c'est la Solis. Ouais, j'arrive. Je suis au niveau du connecteur. Tu t'es pas mis en rappel, qui est très compliqué pour toi. J'ai Solis, je vais même pas utiliser ma Solis. T'es forcément à ma gauche, ça veut dire que t'es à peu près, à mon avis, allongé ou accroupi au niveau du bureau. Oui ou non ? Oui. Bon, je le loupe comme une... Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je savais tout ça ? Je sais pas. Pourtant, j'étais pas sur mon drone. La capacité de Solis, c'est que bah tu vois non, si je suis non, j'ai rien fait, j'ai pas utilisé ma Solis. C'est juste des maths. Il y a une zone. Mmh. La zone, c'est la zone du plantage de la bombe. C'est une zone au sol. Et à partir du moment où, quand j'ai regardé, quand t'as planté la bombe, t'es pas passé dans ma ligne de gauche à droite, par définition, déjà, je pouvais restreindre l'endroit où tu pouvais être. Et après, c'est l'expérience de jeu qui va me faire dire, puisque je t'entends pas en train de zoomer, dézoomer au contact du mur qui aurait pu être à ma gauche au niveau du connecteur, de facto, il y a de grandes chances que tu sois allongé relativement à gauche du bureau ou accroupi derrière le bureau. Allez, qu'est-ce que tu fais là-dessus, là ? Check ta move. Donc je suis obligé de jouer le duel, maintenant.
Bien joué. Ça, c'est une décale propre, ça. Là, je t'ai entendu sauter. Ok. Sauter ? Ouais, ça t'as sauté d'un petit muret du haut de garage, là, je pense, sur la droite, là. En bas des cages jaunes, là, je pense que t'es là. Ok, exactement, parfait. Et là, tu regardes les cams, fais gaffe, je t'entends. Ouais. Là, t'es au niveau de la fenêtre escage jaune. T'as entendu plein de trucs, là, il s'est passé quoi ? T'as pris ton rappel, fenêtre escage jaune, t'as pété la fenêtre escage jaune, et là, t'es en train de droner. J'ai fait quoi ? Ton switch, là. Switch ? Drone ? Et j'ai fait quoi ? T'as pété la cam. Ok. Bien joué. Bien joué. Tu me baites avec une XKRO, derrière tu t'adaptes, tu me mets un pré-shot excellent. Nickel ça. Oh. Ah, j'ai entendu. J'ai entendu au dernier moment. Quand t'as bougé. Quel est le problème ? Mon positionnement. Ouais, le positionnement alors que tu peux. Bah non, ouais, tu prends des travers et tout, ouais, clairement. Ah, bien joué. Donc là, t'es penthouse. Ouais, je suis guitare, ouais. Enfin. Non, t'étais penthouse. C'est moi qui étais guitare. Parfait, ça. T'es bleu. Juste quand j'ai entendu au dernier moment. Tiens, mange ça. Oh, je savais que t'étais nade, mais je m'attendais pas du tout à la nade. Fais gaffe à toi. Moins tu fais de bruit, parfait. Plus moi je fais du bruit. Toi si tu fais pas de bruit, tu gagnes les duels. Ligne cassée. Pourquoi pas. Oh non non mais c'est quoi ça. Mais qu'est-ce que je t'ai go là. Tu te permets de me coller ça fils de p. Monsieur fils de p. Ah, c'est impossible. Parfait, parfait, c'est comme ça qu'il faut jouer. Ligne cassée, pas bouger d'un poil. Tu veux qu'il se passe quoi sérieusement. Bon yes. Poulet, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, de pas mal de trucs pour le coup. Okay. Tu vois, c'est agréable. J'ai une grosse tête. Je vais prendre un aspirine, mais. Ah ouais, j'imagine. Je vais me fumer un ouin-ouin et puis ça va être bien. Ok. Du coup, sur metafile.gg, je t'enverrai un truc, tu verras. Il y aura 4 audios à écouter, une liste de devoirs à faire. D'accord. Ah bah ouais, normal. Je ferai la marche à suivre, je ferai mes devoirs, je ferai mes leçons. Ça marche. Bon, merci Poulet d'être passé et merci encore pour le merci coaching. Merci à toi, Six. Ok. Et puis merci à toute la commu de m'avoir supporté. Oh putain, a cassé le fils de p. Oh j'en peux plus là. Plus il est débile et il pue la p. Lol, je suis encore là. Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé une bonne et une agréable soirée en ma compagnie. Je me casse et je vais manger. Merci pour tout. Vous êtes des monstres. N'oubliez pas de faire point d'exclamation Discord si vous cherchez les teammates. Point d'exclamation Twitter. Si vous cherchez. C'est ça Twitter de toute façon. Si vous cherchez la. Allez sur Twitter. Et surtout point d'exclamation YT. Et allez liker et commenter la dernière vidéo qui est sortie hier. Et franchement, je l'ai revue. Et elle est très drôle. C'est rare. En règle générale, je trouve que nos monteurs puent la. Ça c'est. Et font du travail de m***, hein, tout simplement. Mais là, en l'occurrence, elle est hilarante, la vidéo sur... je sais pas si vous l'avez vu. Le joueur le plus cool de Rainbow Six, c'est lui. C'est un Québécois, il est trop drôle. Bref, bon, faut que j'aille manger. Mon cerveau est en train de lâcher. On se retrouve demain sur le campus de la Salty Academy. Suivez-moi sur Twitter, il y aura une annonce très prochainement. Les Make Me a Monster et Héros de Oregon 2 arrivent. Très bientôt. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous. Vous êtes des monstres. Je disparais, bien évidemment. À demain.